Allez, attention, tu arrives sur un nouveau virage à droite. Allez, allez. T'arrives bientôt au pointage intermédiaire. Allez. T'es pas dans le rythme. Essaye d'accélérer. Tu peux faire mieux. Plus que 5 km. Allez, allez. Allez, tu arrives sur une portion moins technique. Concentre-toi bien sur ton effort. Allez, regarde bien devant, il y a des virages qui arrivent. Allez, c'est bientôt fini. Allez, allez, allez. Allez, garçon, jusqu'au bout. Allez, tu lâches rien. Allez, la flamme rouge, plus qu'un kilomètre. Allez, allez. Allez, c'est tout droit jusqu'à la ligne. Allez, à fond jusqu'au bout. Voilà. C'est pas le truc le plus folichon. Et on est le meilleur coureur de l'équipe aussi, hein, au passage. Non. Si, si, on est le meilleur coureur de l'équipe. Parce que... Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Il va monter sur... Il est en tête. Il va monter sur le podium. On va... Bon, on avait pas vraiment l'ambition sur le classement de cette étape. Mais bon. Moins qu'on puisse dire, c'est qu'on m'a pas fait mentir. On pouvait espérer mieux pour commencer, je pense que c'est pas grave. On aura d'autres occasions de faire mieux.
Essentiel. De 5 km avant l'arrivée. Ok, viens te protéger. Encore un peu de vent, hein. Allez, en tout cas, là, on va peut-être essayer un minimum de réaccélérer, là. On va dire à tout le monde, hein, de rouler à 100. Pour cette fin d'étape. On va juste, on n'a pas encore utilisé notre gel rouge, mais on va juste essayer, voilà, pour se débattre un peu, voilà, essayer de se donner de l'air. En première position, alors faut pas faire la même erreur qu'en pro team ou en pro team. J'étais allé à l'intérieur. Là non, on va. Dernier kilomètre. Parce qu'en pro team, on s'était totalement fait serrer. Là on était bien pour le moment avec Richard Virenque, qu'on va essayer de remonter peut-être pour le moment, même si on va sûrement se faire battre là. Essayer d'aller chercher une belle position, mais on va finir de... Et là général. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Il est dans une forme état. Il va monter sur le podium. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition. Secondes avance. Brandon, petit américain de la UE Team Mirette, et puis t'as des Pogacar à 20 secondes, le sommet de la UE Team Mirette. Une seconde est 15h05 et 51 secondes est en tête à l'équipe néerlandaise avec 6 secondes avance sur l'équipe et belge, la cuisse, c'est pas le et 28 secondes avance sur l'équipe Mirette. Il a UE Team Mirette.
c'est Opdoul pour les Yefil Cachet, Easy Post, le Britannique avec 149 km, 31 km pour Isbic, Spec, le Alpine de Canaki, l'Alpine pour l'Intermarché Monti pour matériaux, Tarnerland, le Nerf 50 km. On en a fait pas beaucoup, hein, mais bon, c'est déjà ça. Par contre, le classement là, on savait qu'on avait. Bon, petit PPC 471 PPC pour Richard Vange, le corps français de notre équipe de la cyclisme 3D Team. Plus 45 PPC 441 PPC pour Wad, la belge du team Jean Bouisma. Attention, il se rapproche de nous. Plusieurs PPC 428 PPC pour Julien Philippe, le français de la Alpha Vinyl. Plus 45 PPC 75 PPC pour l'équipe néerlandaise du team Jean Bouisma. Plus 0 PPC 972 PPC pour l'équipe belge de la Coussette Alpha Vinyl. Plus 0 PPC 652 PPC pour l'équipe Emirates et la 8 team Emirate. On vient 15 points de la 8 team Emirate pour notre équipe française de la cyclisme 3D Team. Avec plus 10 PPC 637 PPC pour nous, plus 0 PPC 609 PPC pour l'équipe britannique de l'Inos Grenadier, plus 10 PPC 608 PPC pour l'équipe Barani, la Barani Victorious. Et puis nous on se retrouve au final de la étape. Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. Début du Dauphiné qui sort, et j'étais en train de me le dire, en fait, il me reste un peu plus de 3 semaines au mois de janvier, soit pour 15 épisodes de Pro Team, c'est-à-dire 3 du Dauphiné, 7 du en Pro Leader, pardon, 7 du Tour de France, de le retour de l'Open Tour, et un qui est championnat du monde Tour de Lombardie. Ce qui fait plus de 5 épisodes de Pro Leader par semaine, vous rajoutez à ça 7 de Pro Team qu'on est censé sortir, peut-être un SOS Section Nationale. Bon. Ça fait 23 vidéos, il reste à peu près 24 jours en janvier. Mais on va essayer de faire aussi un débrief que je dois faire depuis longtemps. Ça va parler de BNB, enfin ça va parler du parcours de Paris-Nice. Parcours de Paris-Nice, oui. Des sections des équipes pour le Tour de France. Et aussi un peu de BNB Hotel parce qu'on ne l'a pas encore traité. En tout cas, récemment, ce qui s'est passé avec BNB. Allez, essayez justement de sortir un peu. Alors également, j'étais dans l'échappée, j'ai pris 2 points du classement de la montagne. Et j'ai pris aussi les 20 points du sprint intermédiaire. Hein. J'ai fait quelques kilomètres à l'avant. Les sprinteurs sont lancés. Allez. Oh, Van der Poel et Wan, ils sont très chauds là. Pareil pour Jakobsen. On va essayer de remonter peut-être. Allez. Ah, on va finir 9e. Alors, c'est quand même une meilleure performance sur l'étape précédente. On était 11 points au départ de cette étape. Les vents du sprint intermédiaire, ça nous a fait passer à 31. Là, on en récupère encore quelques-uns. Donc, on en a pris 5 hier. Ouais. Oh, sur le sprint final, si on finit 12, je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment bien. En plus, on finit meilleur grimpeur de l'étape. Ça nous fait des kilomètres à l'avant aussi pour la combativité. C'est toujours ça quand c'est un objectif. Hein. Quand on a comme objectif classement de la combativité, maillot à poids, enfin classement du super combatif, maillot à poids, maillot vert. voilà, et des victoires d'étape. Ça, c'est sur un plan. Alors que Ewan s'impose encore. Ça fait plus de 100 points d'un coup pour les sprints pour lui. Et finir bien, figure le mieux possible au classement général au maillot blanc. Bon, et après aussi niveau objectif de car, bah, gagner des étapes c'est toujours bien. Faire une ou deux descentes dangereuses et passer en tête de 1. Enfin, il nous reste 2 cols de première ou hors catégorie à passer en tête. Van Aert encore en jaune. Le vert pour Ewan, le maillot blanc pour rouge pour Richard Vank et le blanc pour Evenepoel. Donc, c'est vrai qu'il essaie d'aller chercher des victoires d'étape en vallon. Et en montagne, voilà, mais également bien figurer au classement, figurer le mieux possible au classement général et au maillot blanc, mais aussi d'aller gagner le maillot vert, le maillot blanc, pas rouge et le classement super combatif. Voilà, mais comme j'ai dit, tu as aussi, on a aussi un objectif de passer en tête de 2 cols de première ou hors catégorie, passer en tête d'une descente dangereuse, enfin arriver en tête en bas d'une descente dangereuse, gagner le sprint intermédiaire. On en a gagné un, donc il nous reste, on est à 13 sur 20 en sprint intermédiaire remporté. Gagner pourquoi pas des étapes de plaine. Enfin, il nous reste plein de choses à faire. Il y a les classements super combatifs, le maillot à poids et le maillot vert pour les objectifs de carrière. Enfin, voilà. Et terminer le tour aussi en objectif de carrière dans le jeu. Il nous reste beaucoup de choses à faire. Donc, voilà. Et gagner des étapes aussi en objectif de carrière. Bref, Calvi One, l'Australien de l'Auto-Soudal en 3h57 minutes et 34 secondes, s'impose avec 10 secondes de bonification. Pardon, avec 6 secondes de bonification à 0 secondes en même temps. C'est Fabio Jakobsen, le Néerlandais de la Quickstep Alpha Vinyl, et à 0 secondes en même temps avec 4 secondes de bonification. C'est Sam Bennett, l'Irlandais de la Brands Group. C'est vrai que on repasse 3ème équipe au classement Pro Cycling. Forcément, on a eu 9ème place et on a eu notre rôle de meilleur grimpeur d'étape. Donc ça aide beaucoup pour le team Jumbo Visma. C'est le Belge Wout van Aert qui est en tête en 8h39 minutes et 23 secondes. Seconde, pardon, avec
0 secondes d'avance. Donc en même temps c'est Filippo Ganna, l'italien de Linus Grenadier. Et puis il y a une seconde avec c'est le belge qui s'appelle Favinil, Remco Evenepoel. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 4 points pour Richard Vanck, le corps français de notre équipe de la cyclisme des teams. Pour l'Alpecin Ukenak et pour l'Alpecin Phoenix, avec un point, c'est le néerlandais Riesbeek. J'arrive jamais à le prononcer, enfin je sais pas comment il faut le prononcer. Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Pour l'Lotto Soudal, c'est l'Australien Calvin Wan avec 128 points. 66 points pour Fabio Jakobsen, Wout Van Aert, le belge du team Jumbo-Visma. Et 53 points pour Fabio Jakobsen, le néerlandais de l'Alpecin de la Quickstep Alpha Vinyl. Je suis pas trop dans mon assiette là. Et aussi du côté du classement du meilleur jeune en 8h39 et 24 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge qui s'appelle Alpha Vinyl, avec 19 secondes d'avance sur Brandon McNulty pour le 8e mérite l'américain et 20 secondes d'avance sur Tadej Pogacar, Charles Sauvin de le 8e mérite. Du côté du classement par équipe, l'équipe néerlandaise du team Jumbo-Visma en 25h58 minutes et 33 secondes est tentée du classement par équipe avec 6 secondes d'avance sur l'équipe belge de la Quickstep Alpha Vinyl et 28 secondes d'avance sur l'équipe Emirati, le 8e mérite. Du côté du classement de la compétitivité, Owain Doul pour la IF Education Easy Post, le britannique avec 286 km, 222 km pour Riesbeek, le néerlandais de l'Alpecin Ukenak et plus l'Alpecin Phoenix, et puis pour l'Alpecin Ukenak et plus l'Alpecin Phoenix, c'est Ricard, Younes Ricard, le belge avec 117 km. Avant de se quitter, on va faire un point du côté du classement pratique individuel. Plus 20 PPC, 491 PPC pour Richard Vanck, notre corps français de notre équipe de la cyclisme 3D Team. Plus 15 PPC, 456 PPC pour Wout Van Aert, le belge du team Jumbo-Visma. Et plus 0 PPC, 428 PPC pour Julien Philippe, le français de la Quickstep Alpha Vinyl. Plus 45 PPC, 1017 PPC pour l'équipe belge de la Quickstep Alpha Vinyl. Première équipe à passer la barre des 1000 PPC. La deuxième sera avec plus 15 PPC, 990 PPC, l'équipe néerlandaise du team Jumbo-Visma. Et potentiellement, nous. Je vais dire nous troisième, faut pas déconner parce que je pense pas qu'on passera la barre des 1000 PPC, mais plus un peu. Déjà plus 15 PPC, ça j'ai dit 990 PPC pour l'équipe néerlandaise du team, je vous pas. Plus un PPC, 657 PPC pour notre équipe française de cyclisme 3 team qui devance maintenant de 5 points la UAE Team Emirates avec plus 1 PPC, 652 PPC pour eux. L'équipe Emirates, ça on l'a dit. L'équipe britannique de Ineos, on a dit plus 1 PPC, 609 PPC pour eux et plus 1 PPC, 608 PPC pour l'équipe Bahreïn, la Bahreïn Victorious. Voilà. H2R avant dernière équipe, hein, devant Arkea et Holo. Mais ouais, ce qui est chaud, c'est que BNB a aucun point. Bon, après, on a pris leur place. Hein. Mais en tout cas, j'espère que c'est vous appuyez si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la communication, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur ça et sur TikTok si vous êtes contrôlé. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao.